spectacle qu'on aime voir avec Ronaldinho. Mais c'était un peu long pour l'un de ces deux parois. La confusion sur le joueur de l'Impact qui permet ce surnom. Non, pas tant. Si, pas tant. 12e minute de jeu. 1-0 la Sémina. Et tout ce jeu a commencé par cette confusion entre Placentino et le défenseur au centre. Pepa, impossible face à une équipe de, comme Milan, face à tous ces joueurs. Ronaldinho, Sidor, Pato. La moindre petite erreur à, je dirais, 30 mètres du but, c'est payé tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ah, Ronaldinho, Sidor, décalage de l'autre côté. Et Pato qui, tout au long de la séquence, c'est toujours, a toujours fait attention à s'excentrer, à se démarquer, sortir de la couverture de son défenseur pour se trouver. Ronaldinho, belle passe maintenant, Inzaghi qui se défait, c'est arrêté par Matt Jordan, le retour, et repoussé par Aboubou, Ronaldinho qui reprend. Ah oui. Dans la surface à Zidane. Le tir dévié par Aboubou, derrière c'est Inzaghi, se reprend, c'est le match. Pipo Inzaghi, à la 25e, 2-1 Milan. Il a continué, hein. Il a eu une première occasion devant Matt Jordan, qui a fait tout ce qu'il pouvait sur le premier tir, mais le ballon n'a pas été suffisamment... Il n'a même pas regardé dans la même direction. Et Aboubou qui a fait dévier ce ballon par-dessus. Sidorf, il y avait Sidorf et Inzaghi qui faisaient l'appel vers le même... Mais il est là pour le spectacle et il leur donne. Sidorf et Inzaghi qui sont là pour récupérer ce ballon. Jordan, eh bien, il est obligé de venir couvrir parce que ses défenseurs sont pris de vitesse. Et c'est finalement Pipo Inzaghi. Dans cette forêt d'entrejambes et c'est finalement... dégagé. C'est vrai que là maintenant, avec l'entrée de Mancini, la sortie d'Inzaghi, c'est le Milan AC qui attaque à 3. Oh, pardon, et tire le but. Sidor à 3 Brésiliens, mais c'est Sidor qui vient terminer la séquence. C'est 3-1 à la 58e minute de but, de jeu ce but de Sidor. Lui qui a marqué à Chicago. Contre le Fire. Beau relais avec Pato. Pato qui veut amener le ballon mais qui va s'effacer. Voilà. Et il veut le jouer au départ. Il est prêt pour le jouer tout seul, Pato. Mais il voit que Sidorf est parfaitement lancé. Il va être dans une position préférentielle par rapport à lui. Et il le laisse aller. On va voir ici ce qui a conduit cette deuxième et troisième effort de Ronaldinho au dépens de Le Duc qui lui est allé du geste qui a débalancé ou déséquilibré. Braz. Avant que Braz complète le travail, Ronaldinho sous les applaudissements de la foule qui se lève, les 47 000 et quelques spectateurs qui se sont déplacés, notamment pour voir ce magicien brésilien. Et Djikanovic, le gardien de l'Impact, a l'occasion d'arrêter ce ballon. Et non, Ronaldinho qui marque à la 81e, c'est 4-1 Milan. Et voici Yoga Bonita. Oui, monsieur. 4-1 Milan. Et est-ce qu'il devait arriver à Riva? Un score fleuve en faveur du club européen. Donc on revoit cette exécution. Il ne laissait aucun doute. Ça part vite, hein. Ça part très très vite entre le mouvement relativement ample et lent pour armer la France.